L'erreur à ne pas faire, c'est de démontrer ce que votre produit vaut, juste ce qu'il vaut. Vous savez, quand eh bien, la valeur du produit est plus élevée que l'argent que vous demandez, c'est là où il y a une vente. C'est là où le client dit, j'ai fait une bonne affaire. Même si bah, de base, c'était plus cher pour lui. Et si vous démontrez juste ce que ce produit vaut, je peux dire ça c'est juste un crayon qui vaut pour colorier. D'accord? Mais si ce crayon a 1 euro, d'accord? Au final, il valait pas 10 euros. Parce que peut-être ce crayon-là, il peut me servir pour colorier, certes, des choses, mais des choses spécifiques. C'est que la valeur que ce crayon va m'apporter, c'est pour une vie entière. Pas pour une heure, non. Une vie entière et tout ça juste pour 1 euro.